Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est Diamond Painting. On se retrouve pour la vidéo duo avec Sylvie. Voilà le kit que l'on est en train de faire toutes les deux, chacune chez nous. Mais on fait, je vous rappelle, on fait toutes les deux le même kit, donc le même dessin, mais Sylvie avec des perles rondes, moi avec des perles carrées, voilà, et on avance à notre rythme, on fait pas la course. Moi je suis plutôt dans en tortue, mode tortue, voilà, mais bon, ça avance un petit peu, hein. Voilà. Donc j'avance un peu, j'arrive à la fin de la deuxième ligne. Péniblement, mais bon, là je ne sais pas où Sylvie en est arrivée puisque je n'ai pas encore vu sa vidéo, puisque quand vous verrez la mienne, la sienne se mettra au même moment en ligne sur sa chaîne. Donc comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le lien de sa vidéo pour que vous puissiez aller faire un tour sur sa chaîne et voir où elle en est, voilà, sur son kit, et voir un peu déjà s'il y a une différence ou pas. Voilà. Alors, je ne vous ai pas fait de vidéo hier parce que je n'ai pas eu le temps. Voilà, tout simplement. Parce qu'hier, j'avais rendez-vous chez mon pneumologue. Donc, en plus, j'avais rendez-vous en plein milieu de l'après-midi. C'est à plus de 15 km de chez moi. Et c'était en pleine heure, presque en pleine heure de pointe. Donc, je n'allais pas commencer à faire une vidéo. Puis, en fin de compte, je me suis barrée de là-bas. J'avais déjà raconté un peu sur mon Facebook. Je me pointe là-bas. Donc, il était 16h. Le secrétaire me dit oui madame, je fais oui, j'ai rendez-vous à 16h, donc il me demande mon nom, il regarde, il fait ah non, vous n'avez pas rendez-vous, je fais ah si, j'ai rendez-vous, c'est à vous que j'ai pris le rendez-vous, c'est vous que j'ai eu au téléphone, et il me dit non, il dit vous n'êtes pas sur la liste. Donc il y avait déjà du monde, il y avait du monde dans la salle d'attente, en plus 16h, je calculais. J'y reste 2 heures avant le couvre-feu. C'est mal barré. Et donc, il regarde, il fait non, non. Il dit, ah bah oui, j'ai essayé de vous joindre plusieurs fois au téléphone, mais j'ai pas su vous joindre, alors j'ai annulé le rendez-vous. Oui, mais bien sûr. Hein, bah pourquoi pas? Donc, moi, je me suis payé plus de 15 km pour venir à mon rendez-vous. Et lui, s'amuse à me l'annuler. Bon, je sais que les spécialistes téléphonent pour confirmer les rendez-vous. Ça, je le sais. Mais s'il n'a pas su m'avoir une fois ou deux fois, il aurait pu me rappeler une troisième fois. Je ne sais pas. Il est au standard, il a son connard de téléphone, j'allais dire un autre mot, devant lui, il pouvait me rappeler une troisième fois, et puis pour confirmer le téléphone, le rendez-vous. Ben non, donc il a annulé mon rendez-vous. Donc là, la moutarde a commencé à monter, donc je me suis engueulée avec lui. Et en plus, bon, de toute façon, c'est un pneumologue qui commençait à me prendre le chou. Parce que c'est un pneumologue, quand vous y allez, son chien est là. Voilà. Alors, bon, depuis que je ne l'avais pas vu. Alors déjà, j'avais un rendez-vous au mois de mars l'année dernière, donc en plein confinement. Donc le rendez-vous avait déjà été annulé. Mais là, bon, à cause du confinement, il devait me retéléphoner pour me donner un rendez-vous. Donc, j'ai attendu un an pour avoir le nouveau rendez-vous. Hein. En plus, j'ai attendu un an pour avoir mon rendez-vous. Donc, je ne me dis pas comment ça a gueulé.
Donc, je reviens sur le chien. Oui, le pneumologue vient tous les jours avec son chien. Je ne sais plus c'est quoi comme race. Bon, c'est un beau chien, hein, mais c'est le beau chien, même. Il est grand. Hein. Et vous avez le chien qui vient vous renifler, qui vient vous mettre les pattes dessus pour jouer, qui va à tous les patients dans la salle d'attente, qui se promène dans les couloirs, qui va chercher les patients, ben, à l'ascenseur, qui revient. Et moi, quand j'y avais été une première fois, enfin une fois avant, le chien était même rentré dans la salle d'examen. C'est pas mal, hein. Un pneumologue, de toute façon pour n'importe quel médecin. Donc c'est vachement hygiénique, vachement, surtout que bon, les pneumologues, souvent il y a des personnes allergiques, hein, qui vont, ou je sais pas. Donc bah, je suis bien contente. Du coup, j'ai dit, maintenant vous m'enlevez de la liste de vos des patients, hein, du docteur, je ne reviendrai plus chez vous. Mais alors j'ai gueulé, les patients, ils étaient là, c'était tous des vieux. Comme ça. Je n'avais rien à foutre. Voilà. Et moi, bon, il fallait. Alors, du coup, quand je suis rentrée, j'ai dit, bon, je vais téléphoner tout de suite à la société pour ma machine, puisque moi, je suis appareillée, hein, la nuit, je fais de l'apnée du sommeil, pour leur dire que j'ai plus de pneumologue. Et la dame, elle me fait, bah, ça arrive, hein? Je dis, ouais, ça arrive. De toute façon, j'ai poussé ma gueulante et puis voilà, je me suis cassée. Elle fait, bah, elle dit, c'est normal, elle dit, si vous êtes pointée et puis qu'il a annulé le rendez-vous. Et donc, elle m'a gentiment donné le nom d'un. Alors, c'est une clinique, donc la ville où je suis à côté, où je suis, où ils ne font que ça. Il n'y a que des pneumologues et ils ne font que ça. Ils font que l'apnée du sommeil, que tous les. Tous les problèmes des poumons, les problèmes de tabac, tout ça. Donc, c'est une clinique où il n'y a que ça. Donc, j'ai téléphoné ce matin, j'ai déjà rendez-vous avec un autre pneumologue. Bon, le rendez-vous, c'est au mois de mai, hein. Mais bon, j'ai un autre rendez-vous avec un nouveau pneumologue. Mais au moins, là, je suis sûre qu'il n'y aura pas de chien. Voilà. Et qu'il n'y aura pas un secrétaire qui fait la moitié de son boulot. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'hier, je ne vous ai pas fait de vidéo parce que j'étais, mais alors, énervée. Je suis repartie en voiture, mais alors, j'étais énervée. Il n'aurait pas fallu m'embêter sur la route parce que je crois que j'avais envie de le bouffer, le mec. Il y a de la chance qu'il y avait quand même du monde dans la salle d'attente. En plus, je voyais une mamie qui était là avec le chien, les quatre pattes sur le dos, et la mamie était là. Et elle jouait avec le chien. Mais je dis, mais c'est quoi ce bordel? Je me dis, n'importe quoi dans un cabinet médical. Et vas-y, papy, mamie, ils font mumuse avec le chien du médecin. Oh, enfin, voilà, je suis calmée. Bon débarras. Ah, donc hier, j'ai dit, on va rester zen. Du coup, j'ai rien fait, j'ai pas fait de dessin, j'ai pas fait de diamond painting, je n'ai strictement rien fait hier. Voilà. Donc ce matin, j'ai rangé ma pièce. J'ai rangé mon atelier, puisque vous vous rappelez, hein, l'autre jour, il y avait. C'était le bordel. Du coup, j'ai rangé ma pièce ce matin et cet après-midi, ben, j'ai dit, je vais me calmer. Enfin, je vais me faire une petite séance zen avec mon diamond painting. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez le droit à du diamond painting. Voilà, c'est vrai que vous en voyez un peu moins en ce moment. Vous voyez, coloriage, diamond, coloriage, diamond. J'essaye d'intervertir les deux. J'espère que ça vous plaît. Et bon, le dernier coloriage, je crois qu'il ne vous a pas trop plu parce que je n'ai pas vu beaucoup de commentaires. Donc, je pense qu'il ne vous a pas beaucoup, beaucoup plu. Ça arrive, hein? Ça arrive. Bon, allez, maintenant je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Il est 17h45. Dans un quart d'heure, on va entendre notre Premier ministre à la télé nous dire si on est confiné ou pas confiné dans le Nord.
Donc, bon, moi, je m'en fous, hein. De toute façon, je suis confinée d'avance, hein, puisque je ne bouge presque pas de chez moi, à part pour les courses et le docteur. Donc, mais bon, là, je vais aller écouter ça dans un quart d'heure à la télé. Et je vais vous faire, en attendant, plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude, en restant zen, surtout. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt. Bisous, bisous. Et des commentaires, tout plein de petits commentaires. Bisous, bisous. À bientôt. Bon visionnage.